l'équipe adverse? C'est ça, c'est un turnover. Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai? Première tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête. Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Oh, un Pokéball. C'est une mascotte, voyons. Tout n'est pas un Pokémon, Lucas. Reste ici, Durillon. Et puis franchement, c'est pas un nom, quoi, Durillon. C'est toi qui as oublié de demander son nom à Tommy. Durillon. Oh putain, les feuilles d'automne soufflées par le vent. Un tourbillon d'automne. Bande de sadiques. Moi, je vais ouvrir des portes. Bon, on va sur la place centrale. On devrait avoir un bon aperçu du campus. Alors que c'était des adultes? Ouais, étudier, faire la fête, découvrir qui ils étaient, trouver ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Ah, on s'en rappelle tous du labo. Un gros moment de... Je crois que de toute ma vie, j'ai jamais utilisé le lance-flamme dans le jeu. Ah mais si, je l'ai utilisé dans le tunnel. Une arme qui est très pratique pour se débarrasser des infestés. Il y en a aucun qui aime le feu. Voyons ce qu'on a là. Bon, on n'a pas grand chose, hein.
C'était un poste de surveillance. C'est bon signe. Bah, pas vraiment. Si c'était, ça veut dire qu'ils sont plus là. 29, 08, rien. Des gens sont censés passer. À quoi ça sert si rien ne se passe? Toujours rien. Marc, arrête tes conneries. On a plein de temps pour lire ici. Être au garde au labo, quelle merde. Hey, salut Abdessine. Ouais, ça s'est un peu décidé à la dernière seconde. Il y a une semaine. Entrée de 5 nouvelles recrues dans le ZQ de Chicago. Ah, enfin. Il y en a un qui m'a filé un paquet de clopes. Pour mon bon travail. Sympa. Entrée de 6 gars du QG. 6 mecs pour livrer un camion. Ça doit être encore pire que ce que je croyais là-bas. Entrée d'une livraison du QG. Au fait, j'ai piqué 2 pommes dans une des caisses. Je t'en laisse une. Voilà. Ça fait plaisir de te voir, Abdessine, en tout cas. Entrée de 10 millions de loups-garous. C'est un cadeau rien que pour toi, Andrea. Joyeux Halloween. Sortie du camion de Rocco pour récupérer des provisions en ville. Entrée de l'équipe de Rocco. Roger a gueulé parce que je pionçais. Pauvre con. Entrée de 1 biologiste de San Francisco. Ce type est un connard, attention. Entrée de 3 nouvelles recrues en escorte. Au moins, ils m'ont souhaité un joyeux Noël. J'ai pas osé leur dire que j'étais juif. Entrée de 10 caisses de l'hôpital UT. Matos scientifique. Alors, tu t'amuses ou pas? Parce que c'est ça quand même le plus important. C'est parti. Ça tiendra. Ça tiendra. Ah, parce qu'il y avait des possibilités que ça tienne pas. Sympa. Allez, Oust. C'était cool. Pourquoi ils pleuraient? Trop violent pour eux? Parce que tu leur squattais la télé? Ouh, il fait un peu froid. Question de saison. Je reste avec du rayon. Je déteste ce nom. Je suis bien d'accord. Qui sont très nombreux. Je parle des Lucioles. J'imagine qu'il faut du monde pour une telle opération. Tu crois qu'il y aura des gens de mon âge? J'en suis pas sûr. Ah bah si tu joues que à l'arc, tu vas vite te retrouver. Donc tu leur as piqué leur temps de oui-oui et ça les a énervés. Quoique oui-oui doit plus être à la mode. C'est quoi que ma collègue elle a mis sur son mur? L'âne trop trop. L'âne trop trop. L'âne trop trop.
Oh, j'ai commencé bien avant 10 ans, moi. Mon oncle nous avait offert une NES avec Nintendo, avec Tortue Ninja et Saint Seiya. Du coup, Saint Seiya, comme on comprenait rien, mon oncle nous l'a échangé contre Kickle Cubicle. Passera pas par là. Ça risque d'être un peu compliqué quand même s'ils ont 4 et 6 ans, mais bon. Qui s'échappe. Je reviens tout de suite. Just a cause à 6 ans. J'aurais déjà vu pire. Hein. J'ai un collègue qui a acheté GTA V pour son fils de 10 ans. Et quand je lui ai dit c'est violent et tout, il m'a dit oui, mais mon fils il s'intéresse pas à la violence. Tout ce qu'il veut faire c'est des courses de voiture et des braquages. J'ai toujours pas compris la logique. Ah, on dirait chez moi. Au moins bien organisé. Moi, la 3DS, elle est dans les toilettes en ce moment. Vu que j'ai le temps d'y jouer que sur les toilettes. Oh non, pas encore. Ah, il bug pas celui-là. Bah, ils peuvent faire du FIFA. Sérieusement? Ouais. Est-ce que tu t'imagines tout seul là-haut? Ça aurait été cool. C'est tout. Et toi, tu voulais faire quoi? Nous avons dû relier la porte au générateur de l'étage. Merci de l'utiliser avec parcimonie. Nous avons presque plus d'essence. Chanteur. Tu déconnes. Je suis sérieux. Chante un truc. Ah non. Allez, je rirai pas. Même pas en rêve. Joël, s'il te plaît. C'est toi qui as marqué que t'avais FIFA, hein. Reviens tout de suite. Je reste là. Ah, parce qu'il faut calculer le côté où on fait la passe maintenant. Ah ouais, non, mais c'est devenu trop évolué pour moi les jeux de foot. Hein.
Moi j'en suis encore où la caméra elle était au-dessus et quand tu faisais pas, ça visait un de tes collègues quoi. Attends. Les open world comme Lego. Putain, faut que j'efface les Lego un jour. Allez. Oh, c'est des singes. Ouais, et il y en a un paquet. Ah non mais attends, moi quand je jouais au jeu de foot, quand tu tirais, ça tirait systématiquement du bon côté. Ça fait 10 ans que j'ai pas touché à un jeu de foot. Et quand je dis 10 ans, je suis gentil. Moi je suis pas fan du foot et mes potes non plus donc. Quoi qu'il y en a un, maintenant il va au match de l'Olympique Lyonnais. J'ai pas trop compris. Je pense qu'il se drogue. Nous ne voyons pas d'autre explication. Tu vas tout reformuler? Ouh là là. Qu'est-ce que je suis encore allé raconter? Vous êtes pas censé m'arrêter avant que je dise de la merde normalement. Vous vous rendez compte quand même que j'ai pas dormi depuis plus de 24 heures? Oui, j'avais compris, Abdessine. Mais moi à l'époque. Oh putain. Passe une bonne journée à Lucarde, plein de courage. Oh, des lucioles. Ah ouais. Ouais, j'ai vu. Cool, enfin une trace des lucioles. Putain, mais moi, à partir d'ici, j'ai compris que les mecs ont déserté, je me casse quoi. Aussi. Suis dans un état de décrépitude avancée. Regardons la carte. Si je me trompe pas, et bah bonne journée, Demo. Il semblerait qu'il fasse soleil aujourd'hui.
Espérons que ça soit aussi le cas dans la montagne. Mais c'est un concept, hein, ça se trouve, c'est plus marrant de jouer comme ça, hein, dessine. Bah, ça ressemble un peu à de l'anti-jeu, mais bon. Hey, salut Jérém, si je suis crevé. On a même des touristes. Eh bah bon. 9 mois d'attente et toujours rien. Aucune nouvelle de qui que ce soit. J'ai trouvé quelques boîtes de conserve au réfectoire. On n'ira pas loin avec ça. Il y a eu un incident à la barricade. À la barricade est, mais tout est sous contrôle. J'ai aperçu un groupe de ces trucs qui passaient par là. L'un d'eux ressemblait à Ether. C'était peut-être elle. Putain. Les piles commençant à faiblir, ils n'écoutent plus la radio qu'une fois par nuit. Moi, j'ai laissé tomber après la dernière transmission. Ça fait 3 mois, bordel. À quoi ils s'attendent? Cheryl a fumé un joint hier, soi-disant qu'elle en avait besoin. Elle s'est énervée quand j'ai balancé la sacable. Elle ne comprend pas. Il faut qu'on garde les idées claires. Quelqu'un va devoir aller en ville chercher des provisions. Ce sera sûrement moi. Je me demande combien de temps ils ont tenu. On revient sur la discussion sur le fait que le chocolat belge c'est le meilleur du monde, c'est ça? Sport. La tournée triple, c'est une triple distillation? C'est une bière? Notre météo avec Bacal. Mais moi je vous raconterai. Plutôt connu Molenbeek hein, depuis quelques temps mon démo. Tu dois pas regarder les infos souvent. Est-ce que Bakel va y arriver? Les médias se le demandent. Putain, bah ils doivent se faire chier ce matin. Hein. Moi je me pose pas de questions aussi philosophiques.
Calme, zen, exomile. C'est pas faux, c'est vrai que ça donne pas envie de regarder les infos. Malheureusement, c'est un quotidien bien trop régulier. Des problèmes de ce genre. Quelle discrétion, 10 fois mieux qu'Assassin's Creed. Ah oui, c'est sûr que je suis 10 fois plus efficace là que sur Assassin's Creed. Hein. D'un autre côté, j'ai pas dormi depuis un moment et je suis en mode sur réflexion. Je me demande ce que j'ai fait de ma vie, pourquoi j'en suis là. Est-ce que gauche ou droite? C'était Discrétion 5000 avec Bacal. Je vais essayer les Lego qu'on passe sur l'histoire. Ah mais c'est à peu près tout ce qui me plaît dans les Lego. Pas totalement faux, d'habitude on n'en entend pas parler, mais d'un autre côté c'est pas plus mal qu'on en entende parler une fois de temps en temps quand même. Encore désinfecté, je vais bien. Ce qui est un peu triste, c'est qu'on sait déjà que ce qui va, comment ça va se finir, quoi. Lego Harry Potter, ça existe, ça? Oh. Oh putain, je peux pas le faire sauter par-dessus le truc. Tellement dommage. Bon bah du coup le jeu a plus que 10 sur 20. Hein. Ah c'est un peu problème des gens aussi. Hein. On en a tellement demandé aux médias qui doivent nous donner des infos, que bah les gars ils nous abondent. Même quand ils ont rien, bah ils continuent à nous dire des conneries quoi. Bien, essayons la porte. T'as réussi ? Ouais, allez, passe.
Wingardium Leviosa. Je sais pas si je vous ai dit que j'ai lu tous les livres d'Harry Potter. Non. Non, je crois pas. Pourquoi vous êtes aussi près du labo ? Bill s'en servait pour se protéger. Si ça se trouve, ils font pareil. Ouais, allez, c'est possible. Ça ressemble tellement à une arène de combat que tu te dis que. À l'origine, ils l'ont certainement fait pour ça. Rien du tout. Ouais, on va bien finir par croiser quelqu'un. Allez, on entre. J'ai hâte d'aller jouer à Just Cause. Je te comprends, mon ami, je te comprends. Quand on a un nouveau jeu qui nous intéresse, on a toujours envie d'y jouer. Tu connais ce genre d'endroit ? Quoi, à l'université ? Ouais. Non, en tout cas pas pour étudier. Pourquoi ? J'étais jeune quand Sarah est née. T'as été marié ? Pendant un temps. Juste un temps ? Ok. C'est trop. Exact. Je suis pas ta mémé, arrête de me poser des questions. Ça mal se met. Hey Nemo, amuse-toi bien et essaye de rien te casser. Et merde, faut remonter à cheval. Ellie. Allez. Quand je vois tes yeux bleus, je me sens amoureux. T'as reçu un overboard? Ah oui, les trucs à roues, oui. Ça doit être sympa. En tout cas, félicitations, hein, joyeux anniversaire. Même si je suis en retard. Oups, I did it again. Est-ce que des panneaux solaires pour allumer des lampes qui éclairent le panneau solaire, c'est très intelligent. Jetons un coup d'œil. Bah, quel live. Nous en sommes à la moitié du live. Comment s'est passé ton premier live et comment tu as eu l'idée d'en faire un? Mon premier live, il s'est passé assis devant ma télé. Je streamais depuis ma PS4. J'ai fait The Witcher 3 comme ça, tout sur la PS4.
Et du coup, l'idée m'était venue parce que il venait de sortir et que je me suis dit que ça pouvait être sympa. Du coup, il s'est passé très solitairement. J'ai passé des tas d'heures, des tas et des tas et des tas à voir quasiment personne sur mes lives. Voir personne. Très bien. Et même maintenant, hein, il m'arrive souvent de ne pas voir grand monde sur mes lives. On fait avec, on te laisse pas le choix. Hey, GG pour ton level 15. Très bien l'affaire. Toute façon, il n'y a pas le choix, il n'y a rien d'autre. Après tout, ça fait bientôt 2 ans que je stream. Ça fait presque un an que je stream à fond. Et y a encore des soirées que je passe tout seul. C'est pas une critique, hein, c'est un constat. Vouloir streamer actuellement, ça veut pas dire avoir beaucoup de monde sur son live. Sauf si vous faites des jeux type Dota, qui a une communauté énorme. Avec des gens qui regardent que des gens qui jouent à Dota. Et même là, moi par exemple, je ferais C'est le pas du remède de Dota l'humanité. parce que je suis pas doué et que si c'est pour me faire Ce serait insulter mieux de tout le rester temps, discrète tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. je préfère encore rien faire. Parce que la communauté est quand même pas très sympa. Enfin, quand je dis Dota, c'est Dota, LOL et. Et celui de Blizzard que j'ai oublié le nom. Ça doit être Heroes of the Storm, si je me trompe. C'est ça, du lol, comme disent les jeunes. Je m'excuse par avance pour tous les jeunes qui seront choqués par le fait que j'appelle ça lol, comme disent les jeunes. Je sais pas si on va réussir à jouer jusqu'à midi là. Ouh, je pense que je vais me resservir un café parce que ça commence à piquer des yeux. Rien d'intéressant. Il n'y a rien d'autre ici que tout un fatras médical. Je comprends pas. On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse. Peut-être pas tous. T'éloigne pas. T'éloigne pas. J'aurais dû acheter du Claradol. Ça a tendance à me garder éveillé.
aucun cadavre. C'est bon signe, non? Il faut qu'on trouve où ils sont allés. Ah, enfin, il y a quand même du sang. Hein. Ah non, c'est des pépitos. Dommage. C'est un fan de FF? Ouais, mais si tu leur montres des trucs pareils, après ils voudront encore plus jouer. Tu t'en rends bien compte quand même. Valide, c'est un bon papa. Tous les fans de FF sont des bons papas. Et voilà, fallait que tu le dises qu'il jouait à FIFA. Et voilà. Non, mais maintenant je suis déçu. En fait, l'expansion du champignon Cordyceps dans la tête des gens crée des déformations à l'intérieur du crâne, ce qui leur donne cet aspect dégueulasse. Bon, au moins, c'est pas des claqueurs. Ouais. Ni des lucioles. Bah, peut-être qu'à force de chercher, ils se sont transformés en singes. Continue de chercher, on trouvera bien quelque chose. Je suis en train de perdre pied.
sur la réalité. Je vais me servir un café pour me réveiller. Si vous cherchez les lucioles, ils sont tous partis. Non, sans blague. Je suis mort. Ou je le serai bientôt. Je m'ai laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de... Je n'ai plus envie de continuer. Allez. Café. Pour les autres. Que tu sais aussi? Ouais, je connais la ville. C'est loin? C'est pas tout près, enfin, à cheval. Quoi? Les lucioles? Baisse-toi! Non, ça fait de la lumière, mais ce ne sont pas des lucioles. Putain, mais c'est qui ces types? Peu importe, on sait où aller. Allez, viens, on fiche le camp d'ici. Ah, ton papa il va se lever tard aujourd'hui. T'as raison, mais je pense que tu vas aimer ni la première ni la deuxième. Donc reste au sol et calme-toi. Connard. Ah merde, on est obligé de passer par le couloir pour sortir. À tout à l'heure, Abdessine. Faut que je trouve quelqu'un pour souffler sur mon café pendant que je joue. Ok. Vite, Joël. On peut améliorer la hache. On s'est pris dans la tronche. Oh là 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 là. Eh oh Ellie, ton vocabulaire. C'est pas comme ça que je t'ai élevé. Thank you.
Putain, décidément, cette scène, c'est vraiment la plus violente du jeu. Je te jure, si jamais je te sors de là, tu me devras une chanson. Tu rêves. Reste là. Je vais ouvrir. Prends ton temps. Allez. Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi !
Dis-moi quoi faire. Allez, tu dois te relever. Joël. Bah, quel live.